Zombie apocalypse. Bonjour à tous les gamers. On se retrouve aujourd'hui sur Jesso Gaming pour la suite donc de Assassin's Creed Unity. Donc aujourd'hui on fait des épisodes principaux. Donc du coup on commence directement par une quête principale. Logique. Donc là, le roi des thunes se trouve dans les égouts sous la cour des miracles. Trouvez-le et tuez-le. Et ben on est parti. On se rappelle que la dernière fois on avait fait la roi des thunes aussi. Enfin, on était sur la piste du roi des thunes. Explorer le secteur, créer des opportunités. Ah, donc il y a une entrée, 5 cachettes, 54 gardes. Ouais. Il faut que je trouve le repère. Ouais, j'ai changé, j'ai repris. Parce que dans l'épisode secondaire, j'avais pris le pistolet. Enfin, une arme plutôt. Et là, du coup, j'ai décidé de prendre. Ma masque, tout simplement. Alors, opportunité d'évasion, ça n'a rien. Je sais pas ce que c'était. J'ai trouvé. Saboter directement ça, allez, sabote. Sabote. Laissez-moi partir. Je suis une bonne âme, je le jure. C'est ça, c'est bizarre. Je suis passé dans une autre zone. Alliance. Putain, j'aimerais les avoir en aérien. Ah.
Tu vas où toi mon garçon là? Ah. Ça. L'aérien c'est fait. Bah ouais, mais mon garçon t'y vas aussi sans m'attendre, c'est pas mal toi. Y'a un moment de temps forcément, si tu vas, tu vas dans le tas et tu m'attends pas. Ça peut poser problème hein, quand même. La Sumini, ça va être celle-là. Non? Non? Bon. Oh nom de Dieu, quelle odeur! Sortons vite d'ici! Tu t'attendais à quoi? J'en suis à chouiner, moi. Allez. Et voilà, ça c'est réglé. Les mendiants, ils se soulèvent dans tout le quartier. Vous autres, venez avec moi. Alors, trouver le roi des thunes, ça paraissait un tout petit peu logique. Allez, hop, ça c'est réglé. T'es jaloux? Tu voulais que je saute dessus aussi? Allez, on se démerde vraiment bien là. J'ai franchement rien à dire. Pourquoi j'ai une échelle là? Pourquoi il y a une échelle là? Est-ce qu'il faut passer là? Ok. Ah, ça t'as une échelle, t'es pas obligé de... Mais qu'est-ce que tu... Allez. Tac. Là. Il devient serpent. Diantre, je savais que ce n'était qu'une question de temps, mais cela est bien trop tôt. Oh, oui, votre grâce. Les assassins sont bien renseignés. Mais c'est nous qui avons l'avantage, n'est-ce pas?
Allez, c'est parti. Allez, ça c'est réglé. Voilà, on repart. Oh, c'est bien, on y va tranquillement en plus. On progresse. R2 et R1. Ok. Il est là-bas. J'ai honte. Tu vas vraiment me faire peur. Ouais, moi aussi j'ai un peu honte. Du coup, on va monter là, je suppose. Meurtre à l'âme fantôme. Oh, j'ai sectionné déjà. J'ai rien à faire les deux meurtres comme ça qu'il y a à faire. Non, non, c'est faux, tu m'as pas vu. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ah, c'est tout ce que je voulais faire. Là. Ensuite. Hop là. Je vais faire tourner en boucle avec le bordel. Hop. On va monter encore un peu. Oh, on peut faire un bel assassinat en plus, quoi. Ah putain, mais t'as pas assez rapide aussi. Con. Aïe. Ravi de te voir, assassin. Ouais, je sais. Alors. Allez, te dégage. Allez. Voilà, ça c'est réglé, c'est fait, c'est pesé. Rien à dire. Faut que je fuis le secteur. Non, d'accord. Je crois que ça allait faire mal en descendant. Même pas. Je suis rendu un soldat supérieur maintenant. Ça ne rigole plus. Hop, au passage, hein. On va pas se priver.
Ensuite, faut que je monte là-haut. Allez, on fuit, on se dépêche. Hop. Qu'il existera une cour des miracles, il doit y avoir un roi des tours. Puisque la place semblait vacante, je l'ai pris. Vous n'avez pas perdu de temps, son corps est encore chaud. Peut-être ai-je légèrement anticipé sa destitution. Disons, dès que tu es apparu à la cour des miracles. Vous vous êtes servi de moi. Ta cible est morte. Nous nous sommes servis l'un de l'autre. Vous avez hérité d'un étrange royaume. Eh oui, n'est-ce pas? Alors, justice a-t-elle été rendue? Les morts sont vengés? Ton âme apaisée? Le bien a triomphé? J'en suis encore loin, Marquis. Chaque fois que je crois toucher la vérité du doigt, une nouvelle couche de mensonges me barre la route. Oh, une conspiration, une intrigue, un complot qui s'épaissit à vue d'œil. Il ne manque qu'un brin de bestialité et un prélat lubrique pour tenir le début d'un magnifique roman. Je préférerais une piste solide. Et déjà si c'est. Eh bien, bonne chance à toi. J'imagine que tu as jeté un œil à ceci. Où avez-vous trouvé ça? L'un de mes fidèles sujets me l'a apporté. Un certain gage d'estime, si l'on est. Oh, un objet étrange. À ma connaissance, une seule personne sait travailler le métal de cette façon. C'est une lame comme celle-ci qui a tué Monsieur de la Serre. Mais j'imagine que cela, vous le saviez déjà. Pourquoi n'avoir rien dit? Où en serait l'homme s'il n'avait jamais dû se poser de questions? Si tout ce qu'il avait toujours voulu savoir lui avait été remis sur un plateau d'argent? Aurait-il oublié qu'il pouvait s'interroger? Où se serait-il débarrassé de son ignorance pour surpasser ses piètres limites? Peut-être, oui. Cet artisan s'appelle François Thomas Germain. Tu trouveras son échoppe près des Halles. Merci. Bonne chance. Elle a pas l'air fraîche, la petite fille à côté, hein? Du coup, on a obtenu le pistolet d'officier. On a fait les deux défis, à l'âme fantôme et à l'assassinat aérien. C'est plutôt cool. Moi, je pense que je vais vous laisser là. Ça fait 20 minutes qu'on est ensemble. Généralement, je fais des laisses peut-être 20 minutes d'une demi-heure. Mais bon, là, pendant 10 minutes, je sais pas trop ce qu'on va faire. Donc, voilà. On va se laisser là tranquillement. Puis, on se retrouve très bientôt pour la suite donc, de Assassin's Creed Unity pour les missions annexes et secondaires. En espérant que ce gameplay vous a plu, nous on se retrouve très bientôt. Donc à bientôt les gamers!